Allez, bonjour à tous, c'est Marc. Aujourd'hui, je vous fais une petite présentation d'un petit mode vraiment sympa. C'est ce mode-ci. Voilà. C'est un petit camion, voilà, une récolteuse pour vos betteraves, vos carottes, vos panais, etc. Pour pouvoir le faire fonctionner, il va vous falloir le pack premium et requis pour le mode ici. J'ai essayé avec des betteraves parce que, bon, moi, ici, sur le PC. Je n'ai pas le premium, donc voilà, tout simplement. Donc je peux pas savoir si ça fonctionne ou pas. Mais en attendant, c'est assez sympa comme petit mode. Je vais vous le montrer dans le shop du magasin, comme ça vous allez vous rendre compte un petit peu de ce que c'est. Après, c'est un petit camion normal. Jusque là, voilà. Alors les petites configs qu'on peut lui faire, c'est voilà, vous pouvez lui changer le train de roue. Donc le laisser en jumelé à l'arrière ou le mettre pareil avant-arrière, voilà. Ensuite, ben, vous avez évidemment la vitesse de travail de vos ouvriers, hein, pour pas qu'ils courent comme des lapins derrière. Enfin voilà. Et puis après, vous avez les couleurs qu'on peut modifier un peu comme on veut. Donc voilà le petit camion. Donc le personnel est déjà prêt à les récolter nos carottes, nos panais ou je sais pas quoi. Donc on va se faire la petite démo. Donc je vais me mettre en route. Je peux se faire une petite vue d'intérieur, ça c'est sympa aussi. Voilà, toute l'équipe est prête. Donc c'est vraiment, oh, ça enregistre évidemment. C'est juste quand il faut pas. Bon, c'est pas grave, hein. On va laisser faire. Pas le choix. Donc voilà. Donc n'oubliez pas le mode premium obligatoire. Donc voilà, imaginez qu'on est dans notre champ, ben voilà, vous faites déplier la machine. Donc ici, il y a le tapis qui se met en route. Évidemment, vous l'activez comme si vous activez une prise de force normale. Et voilà. Et tout simplement, et là, vous avancez tranquillou dans votre champ. Et ça vient se mettre dans la. Dans comment? Dans la palette là. Et alors pour la vider, c'est pareil, tout simple, vous faites le L1 flèche du bas, je crois que c'est ça, non, c'est pas ça. Non, mais bah attendez, je vais mettre la TH, parce que sinon on va pas s'en sortir là. Je suis pas dans la bonne position. Pourquoi? Alors, ABC, voilà, là on est bien. Donc je vous disais, hop, et vous venez vider. Donc c'est pour récupérer ce que vous mettez dedans. Donc c'est assez pratique, je trouve. Donc dites-moi ce que vous en pensez de ce petit mode-là. Après, il reste cool. Pour replier, c'est la même chose. Vous arrêtez la prise de force, vous faites replier. Et en plus, le camion, il fait un beau bruit. C'est assez sympa le bruit qu'il fait. Ouais, il est vraiment pas mal ce petit mode là, vraiment j'ai envie de le tester vraiment avec le premium, mais je ne l'ai pas moi, car je l'ai sur la console, ça me sert à rien de l'avoir deux fois. Après des carottes ici je peux en planter, hein, il n'y a pas de souci, hein. Mais par contre avec ce mode là, il vous faut vraiment le premium qui est, comme dans la description l'indique, il est requis de l'avoir, donc c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Et eh ben voilà, c'était la présentation de ce beau petit mode là sur la récolte à l'ancienne avec tout son équipement intégré avec le camion. Et eh ben voilà, ben, écoutez, si cette petite vidéo là vous a plu, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Et moi je vous tiens au courant pour la suite des petites aventures et puis des modes. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao, c'était Marc.